Allez Zou, j'ai un petit peu de temps, j'en profite. En plus j'ai ma nouvelle caméra. Cette nouvelle caméra est sponsorisée par le groupe Univers. Mais oui, plus de 16 concessions dans la France entière. Deuxième plus gros groupe de vente de camping-cars. C'était le placement produit. Allez, on y retourne. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, on a un pilote, les amis. Un beau pilote. Ouais. Un pilote qui paraît gros comme ça, mais qui finalement fait moins de 7 mètres. On est sur un pilote de 6,99. Vous allez voir, très sympa. Avec des lits jumeaux. Et oui, c'est pas le lit central, c'est les lits jumeaux et le lit pavillon. Donc, eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà tout de suite toutes les données techniques et après, on fait la visite ensemble. Allez, c'est parti, on met le petit bandeau technique, donc on est sur un porteur Fiat, ce qui est très rare hein, de nos jours, un 2 litres 3, 160 chevaux, oui, 160 chevaux, constructeur, hein, il n'a pas été reprogrammé, je tiens à le préciser, on est sur un modèle 2021 qui n'a que 17 900 km, très peu de kilomètres, très peu de kilomètres, 4 places carte grise, 4 places couchage, hein. Le véhicule fait 6,99 de long, 2,30 de large tout le long, et en hauteur, nous sommes à 2,85 au plus haut. Il est donc homologué en 3,5 tonnes et je vous mets la charge utile dans le bandeau technique parce que là, ben, j'ai pas l'info sous les yeux, donc je vous dirai une bêtise. On est sur un véhicule avec des antibrouillards. Nous sommes sur un véhicule avec un chauffage qui fonctionne au gaz et un chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Nous avons un double emplacement bouteille de gaz avec sécurité gaz en roulant également, un toit polyester renforcé, un dessous polyester également, double plancher technique et un parement full polyester. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la visite, ça sera plus intéressant. Vanco Camper, donc caravaning 15 pouces jante acier, bas de caisse aluminium. On va retrouver, vous savez, depuis quelques années, c'est fini les petits phares ronds sur les pilotes. On est sur les phares d'origine, donc eh ben, si jamais vous les abîmez, ça sera plus simple de les trouver en pièces détachées. Nous avons les feux diurnes et les antibrouillards qui sont également présents. Juste ici l'emplacement pour le carburant, 75 litres de diesel. Et nous avons également juste là les 19 litres d'AdBlue qui sont là. Allez, côté gauche, côté conducteur, on va retrouver un petit peu à l'image de Chausson et Challenger, l'Energy Box, c'est-à-dire que là, vous allez retrouver une batterie AGM qui est présente juste en dessous. Alors là, on ouvre, vous allez retrouver ici, vous voyez, tous les fusibles de la partie cellule, hein, donc partie habitation, pour faire simple. Là, le disjoncteur, un petit peu de câblage, hein, si vous voulez, bon, ça c'est pour nos techniciens, c'est pas pour vous. Donc tout ça, on ferme. Juste à côté, le remplissage, 130 litres d'eau propre, 95 litres d'eau usée. Le branchement du P17 est là et à l'image de nos amis allemands, on va retrouver ici la possibilité de sortir le câble sous le châssis. Et ça, même quand la porte est fermée, c'est-à-dire que votre allonge est sécurisée, elle va sortir en dessous. Vous pouvez fermer ça à clé, on ne va pas vous la piquer. Alors, soute traversante avec la même ouverture, que ce soit à gauche ou à droite, ça c'est vraiment très bien. Donc pas de préférence du côté. 75x110. Pour ce qui est de la porte, et nous avons 120 à l'intérieur, donc maxi soute garage, parce qu'on est sur des lits jumeaux hauts. Vous savez, vous avez les bas et les hauts, là c'est les hauts. Vous retrouvez à l'intérieur, vous voyez, les attaches qui sont déjà présentes, des renforts métal strié également. On voit que en plus, sous les lits, c'est isolé, hein, même si malgré tout, la soute est chauffée. Vous voyez qu'on a une sortie de chauffage qui est là. Également de chaque côté, vous voyez qu'on va retrouver des petites niches qui sont très profondes hein, pour pouvoir mettre, moi je pense qu'on doit pouvoir mettre des sièges une fois pliés, pour moi ça passe. Donc on en a une de ce côté-ci et une de ce côté-là hein, qui est tout aussi profonde, hein, donc qui à mon avis va être un véritable bonheur à exploiter pour ranger quelques affaires. On a également ici une prise de 120 mais qui fonctionnera uniquement quand vous serez branché à l'extérieur parce qu'on n'a pas de convertisseur, mais si vous voulez poser par exemple les batteries des vélos électriques et les brancher au camping pour les recharger, c'est possible. Et vous pouvez même mettre les vélos directement dans la soute. Ça passe sans aucun problème. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on n'a pas de porte-vélo à l'arrière. Parce que là, en l'occurrence, ça n'a aucune espèce d'utilité. C'est vraiment pas la peine d'aller rajouter la longueur. On va rester donc maîtrisé à 6,99 de long avec les vélos dans la soute. Juste ici, donc, vous voyez, au-dessus du logo pilote et sous le feu de stop, la caméra de recul. Qui à 360 degrés quasiment, hein, non c'est pas autant bien sûr, mais là c'est celle où on voit derrière ses oreilles. Est-ce la peine de le dire hein, sur des véhicules de cette génération, mais nous sommes sur des BA4 anti-effraction.
Allez, je suis carrément, vous voyez, c'est vraiment, je me sacrifie pour vous les amis, je suis carrément sous le châssis du véhicule, donc tout polyester renforcé hein, pour tout ce qui est humidité là, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Et voyez là-bas, on a en plus un bac polystyrène autour des eaux usées, donc les eaux usées sont isolées, mais oui, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, deux bouteilles de propane, 13 kg, on a également, voyez, le SecuMotion, la sécurité gaz en roulant, qui est là, donc avec la lière haute pression. Donc pas d'inverseur, mais deux bouteilles de 13 kg sans aucun problème. Les rétrotypes bus, ça c'est bien, parce que quand vous allez croiser un autre camping-car qui sera avec un profil d'origine, lui, ils seront à cette hauteur, donc vous n'allez pas taper sur des petites routes hein, qui sont un peu moins larges. Là, vous serez protégé, ce côté-là. C'est une très bonne nouvelle. Mais oui, vous allez faire des économies de rétroviseur. Au-dessus, bien entendu, on va retrouver, enfin bien entendu, c'est pas forcément bien entendu, mais je vous le dis, on va retrouver un panneau solaire de 100 watts. À une porte-cellule qui fait 50 cm de large, nous avons la moustiquaire qui est bien présente. Ici, la baie en porte, double point de fermeture pour la baie, hein, et l'obturation qui est bien là avec le petit fourre-tout et le marchepied électrique qui va rentrer automatiquement dès que vous mettez le contact. Allez, voici à l'intérieur, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Donc vous avez un salon avec le retour. Vous savez que les ceintures qui sont toujours en place hein, pour les enfants si jamais vous faites de la route. C'est-à-dire que bien évidemment on a nos deux ceintures, la sur des sièges, donc agoutis, c'est à peu près ce qui se fait de mieux, hein, c'est même ce qui se fait de mieux avec les ceintures qui, vous savez, qui sont directement sur le siège. Donc quand vous tournez le siège, vous tournez la ceinture. C'est hyper pratique, vous finissez pas enroulé dedans, hein, façon indienne. Non, c'est vraiment très très bien. Et de l'autre côté, on retrouve nos sièges qui restent en place avec les deux ceintures également et le retour. C'est-à-dire que si vous avez des enfants à prendre, souvent, ça sera plus simple parce que les sièges sont déjà en place, il n'y a pas de transformation à faire. Donc ça, c'est pas mal également. Hein. Derrière, on va trouver deux lits. Et ouais, deux lits, donc un qui est plus long que l'autre. Je vous donnerai tout à l'heure les détails. Deux lits jumeaux avec la possibilité de fermer la partie chambre avec une première porte et la porte des toilettes qui fait une deuxième porte. Voilà, pour se mettre un peu en intimité et pour peut-être un peu couper le bruit si le devant vous regardez la télévision. Allez, je vous propose de commencer par la partie conduite. Donc on va retrouver notre porteur Fiat, hein, comme d'habitude. Donc vous voyez, regardez juste là, la caméra de recul, hein, vous voyez, donc grand angle. Hein, donc là, on voit vraiment, vraiment sur les côtés, vous êtes tranquille, vous éloignez tous les dangers. Au plus simple, vous allez faire des économies de pare-choc arrière. Je vous le dis, un petit clin d'œil à l'ancien propriétaire. On retrouve également, vous voyez, le store intimité qui va se lever par en dessous, par au-dessus, que vous mettez exactement comme vous voulez. Moi, c'est celui que je préfère. C'est-à-dire que ça vous permet, vous savez, d'avoir de l'intimité, mais de laisser passer la lumière au-dessus. Donc vous faites exactement ce que vous voulez. Alors ça, vous l'avez en frontal. Et vous le retrouvez, bien entendu, de chaque côté, hein, en latéral. Mais oui, il n'y a pas de raison, il n'y aura pas de jaloux. Là, tu vas pouvoir mettre ton joli t-shirt Guns N' Roses des années 90, que ta femme n'aime pas du tout. Personne ne te verra et personne ne te jugera au camping. On retrouve une station multimédia qui est donc une idée média. C'est la station multimédia de chez Pilote avec le Bluetooth, l'USB, la radio, radio numérique et caméra, non, rien de plus. Hein. Le support où on peut mettre par exemple son téléphone ou sa tablette. Voilà, ça c'est vachement bien avec le système de pince qui vient se bloquer. Et si besoin est, le port USB pour brancher son téléphone. Les aides à la conduite, aide au frein moteur en montée et descente et l'antipatinage. La climatisation manuelle, une boîte 6, donc méca, un régulateur limiteur de vitesse sur le Komodo côté gauche, et le volant, hein, donc juste avant le nouveau volant, donc le volant standard de chez Fiat Ducato. Le double airbag est présent, et la boîte à gants, vous savez, avec le port USB pour la station multimédia, et la communication avec la climatisation qui arrive là, est présent. Le passager ou la passagère va se voir gratifié d'un rangement supplémentaire qui est bien pratique, bien sympatoche pour mettre tout son petit barda. Et ici, d'un support pour sa petite bouteille. Ben oui, d'eau évidemment. Eh ben oui, on est au volant, attention. On a les HP qui sont là, juste à côté de la sortie de chauffage. Encore un support pour les gobelets. Et de chaque côté, les pare-soleil, hein. Comme nos amis routiers, c'est les mêmes. Oh, vous allez pouvoir jouer à Over the Top avec Steven Stallone, ça va être sympa. Oh, tiens, j'en profite, cette vidéo est sponsorisée par le groupe Univers, plus de 16 concessions en France. Bon, à l'époque où je l'avais commandé dans une autre vie, nous avions fait le choix du biton, c'est-à-dire que là, vous savez, on a quasiment le plume, mais non, c'est pas le plume, parce que là, vous voyez, on retrouve ce petit effet un peu comme ça, allez, cuir tanné, un petit peu peau de pêche.
qui est couleur tabac, qui est très joli, très très joli. Vous voyez, pour les parties qui craignent un peu plus, pour le coup c'est plus foncé, pour le reste c'est plus clair. Donc moi je trouve ça très élégant, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout ça, je trouve ça très sympa. La table, elle, elle va bouger bien sûr, il y a un serrage en dessous, une petite poignée. Cette poignée là, vous voyez, quand on fait hop ça, et ben ça, ça bloque la table. Et quand on fait ça, et ben ça débloque la table. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on va démonter pour voir un peu ce qui se passe en dessous. Moi, ça m'intéresse. Je sais pas vous. C'est parti, on dégage tout. Et voici, donc en dessous, on a le chauffage. Donc c'est un Truma, c'est un 4000. Vous savez, chez Pilote, hein, quand on passe pas les 7 mètres, on passe pas au-delà du 4000. Après, au-delà de 7 mètres, on passe au 6000. Mais là, on est sur 4000 watts, ça suffit largement. On a, là, juste là, je vais faire un gros plan. La sécurité anti-gel de votre véhicule qui s'active automatiquement, même s'il n'y a plus d'électricité. Donc dès qu'on passe sous les 5 degrés, pour éviter que les 10 litres d'eau qui sont à l'intérieur ne gèlent et cassent tout, ben lui, en dessous, là, lui, il s'active et évite tout sous le châssis. C'est hyper pratique. Et même pareil, s'il y a trop de pression dans le ballon, il purge un petit peu d'eau. A savoir également, quand vous avez un enfant qui est assis là, pour qu'il puisse passer ses pieds, ça, ça se relève et ça se plie. Comme ça, vous remettez les sièges et il peut passer les pieds tout simplement. Mais pour avoir plus de place, tiens, vous avez vu là-bas, il y a des gens qui profitent. On a tout ce qui est sécurité, donc le petit marteau et la grosse bouteille rouge. Allez, maintenant, je vous propose de regarder ce qu'on a sous ce siège, parce que moi, ça m'intéresse, et je sais que vous aussi. Alors déjà, au niveau de l'entrée, si on appuie là, vous avez une ouverture, donc on voit qu'il n'y a rien, mais on va quand même regarder si on a un accès par le dessus. Et ce qui est top, c'est que là, c'est tout aimanté. Fini les scratchs qui s'abîment, qui se font revisser et tout, recoller. Là, eh ben, c'est aimanté, c'est vraiment top. Allez, roulement de tambour suspense, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a rien. Eh ben voilà. Eh ben tant mieux, comme ça vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses à vous. Allez, on se fait le panneau de commande qui est dans l'entrée. C'est une tablette Android, c'est la deuxième génération, c'est celle qui va le mieux, je vous le dis, parce que la première était un petit peu longue. Hein. Celle-là, elle est beaucoup plus rapide. Donc là, on voit que le panneau solaire est en train de charger. Si je roulais, ça serait là. Si j'étais branché, ça serait là. Et j'ai ma tension de batterie qui est à 13,47 qui se porte du coup très très bien grâce à ce panneau solaire. On a la date, on a l'heure. On a le niveau des eaux propres, le niveau des eaux grises. Si j'appuie, est-ce que j'ai d'autres choses? Non. Là, les éclairages que j'allume, que j'éteins, la pompe à eau et les auxiliaires. Donc c'est aussi simple que ça. C'est super simple. Et en dessous, on a un bouton 1 et 0 pour l'éteindre ou l'allumer. Ça, après, c'est des éclairages. Ça, c'est l'éclairage extérieur de haut vent et le marchepied et une belle poignée pour s'aider à monter quand on a un petit peu trop forcé sur l'apéro. On a un support télé qui est présent ici, donc pas de télé, pas d'antenne. L'ancien client n'en éprouvait pas le besoin, mais on peut le rajouter sans aucun problème. Au-dessus, la commande CP+, hein, vous savez, qui vous permet de programmer une heure de début et de fin pour le chauffe-eau et le chauffage, et de régler surtout le chauffage au degré près. Et là également, on a le lit pavillon, je vous propose de le mettre en place. Pour cela, il faut baisser les sièges, donc ça s'active, un petit bouton, on tourne, ça se baisse. Il faut faire de la place pour pouvoir le descendre assez bas, je vous propose de voir ce que ça donne. Aussi, vous voyez, un 140, bon, qui est super propre, hein. Il n'y a pas une tache, il n'y a rien, de toute façon tout le véhicule est super entretenu, très très propre. Là, vous avez les lattes bois, le filet de sécurité, l'échelle comme je vous disais, juste au-dessus le fourre-tout, voilà, même le rideau est en super état. Bon, le lit pavillon c'est fait, maintenant on passe à la cuisine. Donc la cuisine, on retrouve notre bloc évier, comme d'habitude, avec la petite planche à saucisson qui fait office de capuchon. Deux feux avec piezo intégré, bien entendu. Une crédence acrylique avec les ports USB, le 12 volts. Et là, une 220 quand vous êtes branché à l'extérieur. Pas de hotte extérieure. Hein. Vous voyez, alors, comment ça? Oui, il faut appuyer sur celui-là. Ou que ça passe juste. Ou que ça passe juste, mais ça passe. On a les étagères, malgré tout. On a quand même les étagères. Ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, à côté. J'aime bien leur petit spot noir. Je trouve ça super joli, là. Ah, c'est super beau, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu métal noir, comme ça, ça fait un peu atelier. Je trouve ça vraiment très élégant. Tous les ouvrants, évidemment, en moustiquaire, obturation, vous ne posez pas la question. Hein. Ici, bon, c'est super petites étagères épicerie que j'adore, avec les petits crochets. Hein. Voilà, ça j'aurais tellement aimé qu'ils m'en envoient, mais non. Le petit spot ici. Éclairage dessous, on va ouvrir, on va avoir... Eh ben oui, on a le range couvert, et ça, ça fait plaisir, parce qu'il y en a qui ne le mettent pas. Mais là, vous l'avez, ici, l'épicerie en dessous avec l'éclairage intégré. Hop, on retrouve ici un grand casserolier ici. De l'autre côté, pareil, une épicerie. On ne peut pas aller trop loin, parce qu'après, on a du technique en dessous. Là, un tiroir standard, un deuxième tiroir un petit peu plus profond, et un tiroir standard à nouveau. Dans le double plancher, là, oh que c'est dur, on a un accès. Alors, j'essaie de vous montrer ça tout de suite, voilà.
aux eaux propres. Voici. Ou les eaux grises, plutôt ici. Oui, ça, c'est les eaux grises, autant pour moi. Ici, également, donc, un rangement. C'est la cave pour mettre les bouteilles. Au-dessus du frigo. Au-dessus du frigo, voici, donc, pareil, on a de la place si vous voulez mettre... Là-bas, oui, normalement, c'est pour mettre les démodulateurs, etc. Mais si vous voulez mettre un petit peu de matériel, vous pourrez. On retrouve un Dometic, donc, qui va s'ouvrir d'un seul côté. Hein. Donc, Trimix automatique, voici, avec juste là... Alors, comment il s'ouvre? C'est comme ça, voilà, c'est qu'il est un petit peu dur, avec, bien entendu, le conservateur pour les glaçons et les glaces. Éventuellement la blanquette de veau, la dame comprendra de quoi je parle. Allez, on va passer à la partie douche. Donc là, je vais ouvrir de l'autre côté pour prendre un peu plus de recul parce que ça va être un tout petit peu compliqué. Alors 191 et 190 sous le cadre du lanterneau, hein, donc de toute façon vous avez le lanterneau, avec des portes rigides, voici. Allez, on va fermer ça pour que vous ayez une petite idée. Il faut être à l'intérieur pour que ça soit plus simple, évidemment. Mais porte rigide, double pan articulé, éclairé avec une belle colonne type alu brossé, qui est, ma foi, du plus bel effet. En face, on retrouve notre toilette cassette chimique, comme d'habitude, hein, avec juste ici le visu pour savoir quand la cassette est pleine. Voilà, on a ici la sortie du papier toilette qu'on va pouvoir mettre juste à l'intérieur. Et là, un accès facile pour la bonde. Si jamais on a besoin de bricoler un petit peu au niveau de ce beau lavabo, vous voyez, avec la petite course comme ça qui finit là, et le 220 pour le sèche-cheveux quand on est branché à l'extérieur, sauf si on a un gros convertisseur. Là, ici, on va retrouver quelques petites étagères avec les garde-fous transparents. Votre serviteur qui vous présente sa nouvelle caméra, voici, avec le petit garde-fou en aluminium. Et les deux patères, voilà, pour mettre tout ce que vous voulez mettre, les petits peignoirs, etc. Vous avez un 40-40 dans la douche et également dans les toilettes, pour pouvoir évacuer toute l'humidité. Si vous savez que vous pouvez fermer la porte ici, vous fermez quand vous ouvrez les toilettes, ça vient fermer. Là, vous avez encore de quoi mettre un placard. Et là, vous pouvez également, voyez, fermer cette porte. Donc, vous avez votre couloir sanitaire, hein, en toute intimité. Allez, 85 par 192, 85 par 195. On est sur du Bultex. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez lever comme ça, voyez. Et vous avez l'accès via le dessus, ou vous pouvez ouvrir en dessous, c'est vous qui voyez, mais vous avez une grande penderie de ce côté-là, qui est pour le coup beaucoup, beaucoup plus large que les penderies qu'on a sur les côtés, vous savez, des lits centraux. De l'autre côté, exactement la même chose, un petit peu moins large que celui qu'on vient de voir, mais malgré tout, beaucoup plus large que ce qu'on va trouver sur les côtés du lit central qu'on a d'habitude. Hein. Donc, vous voyez qu'en plus, on a toutes les lattes de bois, hein. Donc vous allez bien dormir normalement. Ça fait partie vraiment, alors quand on est grand, c'est idéal, ça fait partie des couchages les plus confort. Là, on n'a pas l'ajout, hein, au milieu, ça se commande chez un revendeur de la marque, c'est possible. L'accès est simple parce qu'on a des marches qui ne se lèvent pas, on n'a pas de rangement en dessous. Par contre, vous voyez là-bas, on a les ports USB, une 220, là, petite étagère, un rangement sans étagère, et chacun de chaque côté retrouve, vous voyez, un HP pour la musique et une petite liseuse qui est présente juste au-dessus. Avec des belles têtes de lit similicules. Là, on voit ici le pré-câblage pour la TV. Sortie chauffage, la télé, on ne pourra pas la mettre là, ça c'est la coulissante. Hein. Faudra mettre un support ici, là, ça c'est possible. Il y en a qui sont adaptés à ça, il n'y a pas de problème. Ici, un placard. Et un autre placard juste ici. Pareil, la télé, vous n'allez pas la mettre là, parce que là, si vous voulez, en fait, de l'autre côté, vous avez la douche. Donc, faut faire attention quand même un petit peu à l'étanchéité, les amis. Et un 40-40 avec un faux puits de lumière LED, hein, comme ça, si vous voulez mettre une clim, eh ben écoutez, il n'y a pas de souci, c'est possible. Bon, ben, les amis, ce véhicule, eh ben écoutez, je vous mets le tarif juste dans la description, sous la vidéo. Hein. Vous déroulez, vous avez le tarif. Vous ne nous trouverez pas, hein, au salon du camping-car, nous, on ne fait pas partie du groupe des G8, hein. Non, c'est nos concurrents. Nous, on fait partie du groupe Univers, et Univers, eux, ils font la quinzaine du camping-car à domicile parce qu'ils ont des jolies concessions dans lesquelles ils sont bien. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que bien sûr, on a des offres, hein, que ce soit pour le printemps du camping-car, même après, on va trouver, je pense, de quoi vous faire plaisir. En tout cas, ce véhicule est disponible pour l'instant, il est comme neuf, il est en super état, donc n'hésitez pas à venir nous voir, vous demandez Richard ou Aurélien et on vous renseignera sur ce magnifique Pilote qui a, voyez, moins de 20 000 km de 2021, 160 chevaux et qui est vraiment
proche de l'état du neuf. Et bien sur ce, écoutez les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire, ça m'aide. Hein. Et puis je vous dis à bientôt chez Univers Clermont-Ferrand. À bientôt.